RTL Soir, 18h-20h, Christophe Ondelatte. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ce soir c'est Yannick Noah qui est censé nous accompagner jusqu'à 19h à la veille de la mise en vente des places pour son grand concert au Stade de France qui aura lieu le 25 septembre prochain. Il était censé être en direct de notre bureau de New York, mais il est arrivé je sais pas quoi d'ailleurs, qui va nous expliquer. Il est au portable depuis quoi, un commissariat, Yannick Noah, bonjour. Non, je suis pas encore au commissariat, mais parti comme c'est parti, voilà, on est arrêté. Arrêté pourquoi ? J'avais pas ma ceinture et j'étais au téléphone. Voilà. Ah oui, ça fait double faute. Et alors évidemment, ouais, l'inconvénient de l'anonymat américain, c'est que vous pouvez pas lui expliquer Yannick Noah, VIP. Il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. C'est-à-dire que... J'essaie de lui dire que mon fils joue au basket, mais ça marche pas. Ouais. Donc comment on s'organise, Yannick Noah ? Est-ce qu'on va pouvoir compter sur vous à partir de 18h30 d'une manière ou d'une autre ou pas ? Oui, non, mais j'arrive. C'est vrai, vous êtes sûr ? Ça va s'arranger. Je suis en règle, ça devrait s'arranger. Bon, vous prendrez un PV, quoi. C'est combien un PV pour une ceinture et un téléphone aux États-Unis ? Ouais, je vais m'en sortir pour $150. Et il y a des points ? Il n'y a pas de point. Bon, donc vous n'en perdrez pas alors. Très bonne chose. Arrangez donc vos bidons avec les cops new-yorkais, puis on se retrouve, j'espère, dans le bureau de Philippe Antoine d'ici une dizaine de minutes. Allez, à tout à l'heure. Okay. À tout à l'heure. Voilà. Yannick Noah, votre réputation d'éternel en retard ne va pas s'améliorer. Non, mais c'est pas grave, moi je dis que c'est RTL. Voilà, je suis au téléphone avec RTL, voilà, ils vont comprendre, j'espère. Ben, on comprend. Je dis Christophe Ondelatte, ça va marcher, je crois. Je sais pas, parce que Yannick Noah, manifestement, ça n'a pas servi à arranger vos bidons à New York, hein. Pas des masses. Mais il a été cool, il m'a pas mis la ceinture, là. Donc j'ai pris que pour le téléphone, 120. Ah, on peut, $120. Bon, voilà. D'accord.